commençons le briefing de cette étape. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le retour de la plaine sur les routes du Tour de France. Les sprinteurs encore présents en cette fin de course seront probablement motivés par cette étape sans difficulté notable. Et il est très probable qu'ils mettront leurs équipiers en tête du peloton pour favoriser une arrivée massive. Eh bien, salut à tous les amis et bienvenue en ce jeudi 20 juillet pour la 18e étape du Tour de France entre Moutier et Bourg-en-Bresse. 186 km au programme de la journée, une étape assez tranquille aujourd'hui et on va envoyer un coureur, hein, puisque vous le voyez, c'est parti pour Alberto Bettiol, l'italien de l'équipe Education First Easy Post, c'est parti. On ne sait jamais, les amis, en fin de tour, les échappés peuvent souvent aller au bout, donc on verra si ça se confirme aujourd'hui. Et donc l'italien qui sort du peloton, hein, dès le début de l'étape ici à Moutier. Il est déjà rejoint par des coureurs comme Sutterling, Peters, Roras également. On tente évidemment de former l'échappée matinale. Regardez, ça revient encore là avec quelques coureurs. Hamilton qui revient. Déjà quasi 30 secondes hein, pour les fouillards. On a Charmig qui est là dans l'échappée aussi. Et donc c'est parti pour cette 18e étape les amis. Bienvenue à tous. Au lendemain de la très belle arrivée à Courchevel. Et la magnifique victoire hein, de Tadej Pogacar. Impressionnant hier le Slovène dans le col de la Loz. Et donc pour le moment, on tente de former cette échappée matinale dans cette 18e étape. On va donc laisser les coureurs et se retrouver un petit peu plus loin. Et on fera le point avec l'échappée du jour. Et nous sommes à 125 km de l'arrivée. Nous sommes à Chambéry. Et les 7 coureurs sont toujours en tête. Mais vous le voyez, il n'y a pas beaucoup. On retrouve évidemment Sutterling, Charmig, Peters, Hamilton, Bettiol, Roras et Hull, le Canadien, meilleur combatif de ce Tour de France qui est à nouveau à l'avant de la course. Et donc je vous le disais, un écart très faible, 1 minute et 15 secondes, alors que nous venons d'entrer dans Chambéry. Et donc le peloton qui ne laisse pas trop faire, hein. Alors qu'on entame la côte rousse, les amis, 2 km 200 à 4% de moyenne. Et c'est donc Alberto Bettiol qui prend les choses en main, l'italien, relayé tout de suite par Charmig. 1 km encore, c'est très court. Hein. Cette côte rousse, 2 km 200. Regardez, on va déjà arriver au sommet. Nous sommes à 121 km de l'arrivée. Allez, Bettiol qui accélère en vue du sommet. Il va tenter d'aller chercher le petit point. Belle accélération là de l'italien. Et ça va le faire. Hein. Top, voilà, il passe en tête. Un petit point pour Alberto Bettiol au sommet de cette côte rousse. Et je pense qu'il va attendre ses compagnons d'échappée. Hein. Le peloton a 1:30 de retard sur toi. Allez, on vient de passer la minute 30. C'est peut-être bien parti pour cette échappée. C'est toujours pas fait. Hein. Puisqu'on a un peu plus d'une minute. Allez, Bettiol qui va attendre ses compagnons d'échappée. Et on va se retrouver un petit peu plus loin sur cette 18e étape du Tour de France. ...112 km de l'arrivée. Nous sommes toujours avec l'échappée du jour. Ils ne sont plus que 6, hein, puisque Roras a été lâché. Et l'écart maintenant est de 2 minutes et 17 secondes d'avance. Donc ça commence à sentir bon.
pour l'échappée. C'est Charmig qui emmène avec Bettiol, l'Italien, dans la roue. On retrouve ensuite le Canadien Hull. Alors qu'on va aller chercher la prochaine difficulté. Regardez un très beau décor pour cette 18e étape. C'est parti pour la côte du Bourget du Lac. 3 km 700 à 4% de moyenne. C'est Charmig qui emmène dans cette côte. Classé donc en 3e catégorie. Et donc l'équipe Education First qui place à nouveau un coureur dans l'échappée du jour. Il s'agit bien sûr de Alberto Bettiol. L'Italien de cette équipe américaine. Il a déjà remporté une étape, hein, c'était sur un Giro d'Italia. Et bien sûr, son meilleur résultat reste sa victoire lors du Tour des Flandres en 2019, si ma mémoire est bonne. Et on se rapproche, hein, tout doucement du sommet de cette côte du Bourget du Lac. Et Bettiol qui accélère à nouveau et qui va aller chercher le petit point. Voilà, c'est fait. Il y a même deux points au sommet. C'est Hamilton qui passe deuxième. Donc, belle opération là pour l'Italien qui est passé en tête au sommet des deux premières difficultés de la journée. Il reste une côte. Et l'échappée qui compte toujours 2 minutes et 45 secondes d'avance sur le peloton dans cette 18e étape du Tour de France 2023. Nous sommes à 82 km 500 de l'arrivée de cette 18e étape et l'écart continue à grandir pour l'échapper puisque l'écart est maintenant de 4 minutes et 7 secondes d'avance en faveur de Hull, Peters, Sutterlin, Hamilton, Bettiol et Charmig. Roras a été repris par le peloton. Nous sommes à présent dans la côte de Boissieu, 2 km 700 à 5% de moyenne, c'est la dernière difficulté de la journée. Une côte classée en 3e catégorie. C'est Peters qui emmène avec Sutterling dans la roue, suivi de Hamilton, Bettiol, Hull et Charmig qui ferment la marge dans ce groupe d'échappés. On ne peut pas encore dire que ça va aller au bout aujourd'hui. Mais en tout cas, les 6 hommes qui s'entendent bien, ça se relaye bien. Allez, on est à 1 km du sommet. Et à nouveau, Bettiol qui va se replacer devant. Il va tenter d'aller chercher à nouveau les points au sommet. Voilà, c'est parti, l'Italien qui accélère au sommet de cette côte de Boissieu. Et attention, le Canadien houle dans la roue, mais ça va le faire pour l'Italien. Voilà, top, c'est fait. 2 points de plus pour Bettiol. Un petit point pour Hull. Et donc Alberto Bettiol qui sera passé au sommet des 3 difficultés de la journée. Et on se retrouve dans les derniers kilomètres de cette 18e étape du Tour de France. Nous sommes exactement à 40 km 300 de l'arrivée. Les 6 hommes sont toujours bel et bien en tête de la course. C'est le Canadien Hull, le meilleur combatif du Tour de France, qui emmène le groupe. Et l'écart, vous le voyez, il est beau, hein, en faveur des hommes de tête, puisqu'il est quasi de 7 minutes. Alors qu'on va entrer dans les 40 derniers kilomètres, donc ça va aller au bout, les amis, je pense. Je pense que ça va aller au bout aujourd'hui. Donc on a une belle chance de remporter l'étape avec Alberto Bettiol. Il va falloir se concentrer dans ce final avec le coureur italien de l'équipe américaine. Et je vous l'ai dit en début d'étape qu'en fin de tour, souvent les échappés parviennent à aller au bout.
Je pense que ça va être à nouveau le cas aujourd'hui. Et donc on a bien fait de placer un coureur dans l'échappée matinale en la personne d'Alberto Bettiol, l'Italien. Je vous le disais, son plus grand résultat reste sa victoire lors du Tour des Flandres en 2019. Et il a également remporté une belle étape sur un Giro d'Italia. Un très bon coureur, hein, Alberto Bettiol. Alors que Peters parle à l'oreillette, il relaye l'Italien. Charmic dans la roue. Et puis on retrouve Hamilton. Suivi de Sutterlin. Les six hommes qui se relayent bien. Et donc un Tour de France qui touche tout doucement à sa fin, les amis. Puisque dès dimanche, nous serons sur les Champs-Élysées à Paris pour la dernière étape. Et on ne sait toujours pas qui va remporter le Tour de France entre Pogacar et Vingegaard. Et il ne restera plus qu'une occasion pour Vingegaard pour tenter d'aller arracher le maillot jaune à Pogacar. Ce sera samedi, hein, à la veille de l'arrivée à Paris, pour la 20e étape. Hein, une étape qui partira de Belfort et qui arrivera au Markstein. 133 km, une étape très courte qui va faire des dégâts, je pense. Enfin, ça peut faire des dégâts, on verra. C'est les coureurs qui décideront de la course. Et je pense que Vingegaard va tout donner samedi, hein, pour tenter de déstabiliser Tadej Pogacar. En tout cas, on aura assisté à un très très beau Tour de France, hein, les amis. On va donc terminer cinquième, je pense, au minimum, avec Richard Carapaz, puisque vous l'avez vu hier, hein, superbe étape de David Gaudu, le Français, qui a fait un rapproché incroyable hier. Il est maintenant sur le podium. Hein. David Gaudu, il a dépassé Hindley. Donc c'est assez fabuleux là ce qu'il produit David Gaudu sur ce Tour de France. Et donc on verra ce qu'on pourra faire avec Carapaz dès samedi. En tout cas, on va continuer. Hein. Si on peut attaquer, on le fera. Ça dépendra de la situation de la course. Demain, ce sera à nouveau une étape de transition, les amis. Puisque demain, vendredi, nous partirons de Moirans en montagne et on arrivera à Poligny, 173 km. Une étape sans grande difficulté. Je vous l'ai dit à la dernière étape difficile, ce sera pour samedi. Et ensuite, dimanche, ce sera l'arrivée sur les Champs-Élysées. Qui sera en jaune sur les Champs-Élysées? Pogacar ou Vingegaard? Faites votre choix, les amis. Petit avantage pour le moment pour Pogacar, moins d'une minute. Il restera une occasion à Vingegaard de revenir. Ce sera samedi, je vous l'ai dit. Intrinsèquement, c'est toi le plus rapide du groupe au sprint. Pour la 20e étape. À la veille de l'arrivée à Paris sur les Champs-Élysées. Et regardez, Hamilton qui veut qu'on le relaye. C'est Bettiol qui le fait directement avec Hull, le Canadien, dans la roue. On se rapproche tout doucement de l'arrivée, hein, de cette 18e étape. On se rapproche de Bourg-en-Bresse. Et regardez, on est bien étiré dans le groupe d'échappée. Tout le monde prend ses relais, ça s'entend bien. Il y a un gros écart avec le peloton, plus de 7 minutes. Donc les jeux sont faits, hein, les amis. On le sait depuis quelques kilomètres, l'échappée va aller au bout. Donc on a une chance de remporter l'étape avec Alberto Bettiol. Alors qu'on aperçoit la banderole des 20 derniers kilomètres de l'étape. L'échappée est à 20 km de la fin de cette étape. Compte tenu de leur avance, ils peuvent sérieusement commencer à penser à la victoire. Et attention, Hull, le Canadien qui accélère avec Peters dans la roue, Bettiol qui fait l'effort.
ça revient. Ah oui, on va certainement avoir des tentatives d'attaque. Hein. Regardez, c'est Hamilton maintenant qui accélère avec Charmic dans la roue. Bettiol Peters bien placé. Attention, les deux autres qui laissent un petit trou là. Regardez Hamilton dans le dur. Bettiol qui prend le relais directement. Et accélération d'Alberto Bettiol maintenant, l'Italien qui produit son effort. À 17 km 500 de l'arrivée. C'est Peters qui réagit dans la roue de l'Italien. Ils ne sont plus que 4 là. On a perdu Hull et Sutterlin. Donc je pense que c'est terminé pour ces deux coureurs. Donc plus que 4 coureurs. Une chance sur 4 de remporter l'étape. Il reste Hamilton, Peters et Charmig. Avec Alberto Bettiol, l'Italien, qui prend un gros relais là. Puisqu'on a lâché 2 coureurs dans cette échappée. On va vivre une belle fin d'étape, hein, les amis. Est-ce qu'on va pouvoir aller remporter cette étape avec Bettiol? Attention à Peters sur la droite. Attaque de Peters. Bettiol qui réagit. Hamilton également. C'est un peu plus compliqué pour Charmig. Voilà, Bettiol qui revient. Est-ce qu'on va perdre Charmig? Là, il me semblait en légère difficulté. Et c'est à nouveau Bettiol qui roule. Non, Charmig a plus accroché. Ils sont toujours 4. On va bientôt entrer dans les 10 derniers kilomètres. Et donc la victoire d'étape, pardon, va se jouer entre ces 4 coureurs. Bettiol, Peters, Hamilton et Charmig. Une chance sur 4. Et nouvelle attaque de Peters. Et à nouveau Bettiol qui réagit. Mais attention, il est dans le dur, Bettiol. Aïe, 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 aïe. Attaque de Peters et il est parti. Hein. Il est parti puisqu'on ne réagit pas. Bettiol est dans le rouge là, il en a fait beaucoup l'Italien. Allez, il récupère un petit peu. Il tente d'y aller. Eh non, ça ne va pas, c'est compliqué pour Bettiol. Il est limite rupture à l'Italien. Hamilton et Charmig qui laissent faire Peters, on ne réagit pas. Ah, Bettiol qui va devoir récupérer. Hein. Alors qu'il reste 9 km. Peters qui est parti. Ah, il a déjà une belle avance là, Peters. Est-ce qu'il va pouvoir aller remporter cette 18e étape? 8 km encore. Le peloton est pointé à 6 minutes et 39 secondes. Allez, c'est Hamilton là qui fait l'effort pour tenter de revenir sur Peters. On dirait que Bettiol a récupéré, hein. L'Italien ne prend plus de relais, c'est bien normal. Et il n'est pas loin, Peters, hein. Regardez. Il y a une centaine de mètres là-devant. On fait l'effort pour revenir sur Peters. Voilà, Hamilton veut qu'on le relaye, on va le faire évidemment juste après le virage. La banderole des 5 derniers kilomètres de l'étape et ça va revenir, hein. Ça va revenir sur Peters. Bettiol qui tente de revenir là. On l'a vu légèrement en difficulté l'Italien. Ça va être dur d'aller remporter l'étape. Hein, mais on ne sait jamais. On va tenter quelque chose avec Alberto Bettiol. Peters aussi, si ça revient, ça va être dur pour lui. Il aura tant donné. Et attention à Charmig hein, qui est souvent resté en queue de groupe. Allez, 3 km encore, 3000 mètres. Il a recreusé un petit écart là, Peters. Bettiol qui laisse faire. On tente de contrôler là, dans ce groupe de 3. Le groupe constitué de Hamilton, Charmig et Bettiol. Attention, le virage à gauche. Et puis ce sera tout droit jusqu'à la ligne d'arrivée. Et regardez, Bettiol qui fait l'effort pour revenir sur Peters juste avant la flamme rouge. C'est bien fait. La flamme rouge, c'est parti. Charmig qui lance le sprint de très très loin, je vous l'ai dit. Attention à lui. Peters qui remonte. Hamilton qui lance sur la droite. Hamilton en costaud. Bettiol qui tente de revenir, mais Hamilton va s'imposer. C'est dur pour Bettiol et victoire d'Hamilton.
Ah, on est quand même deuxième avec Bettiol, c'est dommage. Hein. Bettiol qui a craqué dans les derniers mètres. Et donc c'est 1 Hamilton, 2 Bettiol, 3 Charmig, 4 Peters et 5 Hull, le Canadien. Et nous sommes à présent dans le peloton, hein, puisqu'il y aura des points à aller chercher sur la ligne d'arrivée ici à Bourg-en-Bresse. Sutterling vient de passer 6e de l'étape. Ah, c'est dommage pour Bettiol, on n'était pas loin. Bravo Hamilton, hein, qui remporte donc cette 18e étape du Tour de France. Allez, la flamme rouge pour le peloton. Carapace bien placé. Et c'est Philipsen là qui lance. Philipsen de très très loin. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui est devant lui. Van Der Poel va passer la ligne avec juste Philipsen derrière lui. Donc belle opération pour Philipsen qui va peut-être prendre le maillot vert. Hein. Je pense que Van Aert était un petit peu plus loin. Regardez, Van Der Poel qui passe, suivi de Philipsen. Ah, il a tellement emmené un gros tempo à Van Der Poel que Philipsen n'a même pas pu suivre. Et donc Philipsen qui prend des points importants pour le maillot vert. On se retrouve après les podiums pour le classement général à l'issue de cette 18e étape remportée donc par Hamilton. Et donc, victoire d'Hamilton, les amis, en ce jeudi 20 juillet. Hamilton qui s'impose donc ici à Bourg-en-Bresse, l'échappée qui sera allée à nouveau au bout. Et donc, on fait deuxième avec Bettiol, l'Italien. C'est dommage, hein. On n'était pas loin d'aller remporter l'étape, mais donc Hamilton le plus fort. Charmig se classe troisième de l'étape, Peters est quatrième. Le Canadien Hull 5e, Sutterling 6 et c'est Van Der Poel qui est premier là dans le peloton devant Philipsen. Et vous l'avez vu, hein, Philipsen a repris le maillot vert, donc c'est important. On voit à nouveau le classement, Van Aert ne fait que 13e de l'étape. Pogacar est 16e, très attentif. Carapace 28e, hein. Il était très concentré dans le final. Uran 41e de cette étape. Allez, on continue. Mais je pense que tout le monde est arrivé dans le peloton. Hein. Tout le monde est à 4,24, je pense. Ah non, il y a des coureurs qui sont arrivés lâchés là. C'est le cas de Novak, de Hirt, de Vine et de La Cruz qui termine à 7,32. Le classement du maillot de meilleur grimpeur, c'est toujours Pogacar qui le possède. Avec une petite avance sur Vingegaard. Uran un petit peu plus loin. Et Carapace, quatrième de ce classement. Le classement du maillot vert. Philipsen qui reprend le maillot vert à Van Aert. Pour un petit point, hein. Incroyable, le duel entre les deux Belges. On ne sait toujours pas qui remportera ce maillot vert sur les Champs-Élysées. Pogacar toujours solidement en tête du classement du maillot blanc. La Jumbo-Visma, meilleure équipe.
devant Ineos. Education First, Easy Post est troisième, très très loin. Et enfin le Canadien Hull, largement leader du classement de la combativité, puisqu'il était à nouveau à l'attaque sur cette 18e étape. Le classement général à l'issue de la 18e étape, Pogacar toujours en jaune. Il a toujours 56 secondes d'avance sur Vingegaard, donc rien n'est fait entre les deux. David Gaudu est toujours 3e à 13,44, Hindley 4e à 15,06 et Carapaz 5e à 17,23. Puis il y a un gros écart hein, entre Carapaz et Mas. Mas est 6e à 29 minutes, Martinez 7e à 32 minutes, Van Aert 8e, Bardet 9e à 39,55 et enfin Pidcock 10e à 40 minutes et 59 secondes. À noter la belle 11e place de O'Connor et Amador, notre équipier 12e à 1h21. Et bien voilà les amis, on va tout doucement refermer cette 18e étape du Tour de France. Une étape qui partait de Moutiers et qui vient d'arriver il y a quelques instants à Bourg-en-Bresse. Étape remportée par Hamilton, l'échappée qui est allée à nouveau au bout aujourd'hui. Au terme des 173 km de course. On va donc se retrouver dès demain pour la 19e étape. Une étape qui partira de Moiran en montagne et qui arrivera à Poligny. 173 km au programme demain. Donc soyez là. D'ici là, passez une très bonne journée. Et à demain les amis. Ciao, ciao.